Provence, est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est allemanien. Le village est situé au confluent du Colostre, rivière d'environ 36 km, et du torrent de Montagnac. Au XIXe siècle, le village était fréquemment inondé par des crues provoquées par des orages, les torrents qui dévalaient la montagne, engravant les rues du village. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Riez auquel appartient Allemagne est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste C8 de 2011. La commune d'Allemagne est également exposée à trois autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations dans la vallée du Verdon. Les mouvements de terrain ⁇ la commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune d'Allemagne est également exposée à un risque d'origine technologique ⁇ celui de transport de matières dangereuses par route. La route départementale 952 peut être empruntée ⁇ par les transports routiers de marchandises dangereuses. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles ⁇ PPR ⁇ de la commune a été approuvé en 1998. Pour les risques d'inondation et de séismes. La commune a été l'objet d'un seul arrêt et de catastrophe naturelle, en 1987 pour une coulée de boue. En plus du village, la commune comporte deux hameaux, Saint-Antoine, Pubert-Clair. La localité apparaît pour la première fois dans les textes des 429, dans la chronologie de l'airain. L'étymologie de ce lieu a suscité de nombreuses conjectures. Notamment destinée à réfuter la présence d'alamans dans la région. Ces théories sont aujourd'hui rejetées par les spécialistes depuis un demi-siècle. La forme ancienne Alamania, relevée en 1182, laisse peu de doute, et indique une formation sur le nom de l'ethnie des Alamans avec le suffixe ia et perpétue le souvenir d'une colonie de ce peuple, confère. Let, ou plutôt d'un poste militaire, installé avant les grandes invasions. Parmi les hypothèses fantaisistes, datant de la rivalité franco-allemande de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, faites pour nier un rapport entre le nom du village et la Germanie, on trouve celle d'une déesse romaine de la fertilité, Alemona, vénérée par une garnison romaine installée sur le site de l'actuel château, ou que Armania, mauvaise graphie datant du XIIIe siècle, vienne de Areamania, grande plaine de gravier. Ces formes ne sont validées par aucune forme ancienne. En outre, il existe quelques homonymes, dont Allemagne, Calvados, Alemannia, Omagne, Charente, Allemania 1290, etc. La commune se nomme Alemana de Provença en Provençal selon la norme classique et Alemagno de Prouvéso selon la norme mistralienne. Le lieu-dit Lamout, proche de la RD 952 et à l'est du village, fait référence à une motte castrale aujourd'hui disparue. Notre-Dame, à l'ouest du village, sur la D15, est lui aussi issu d'une motte qui possédait une chapelle. Histoire. De la période de présence romaine datent quelques vestiges. Le site de Pubercler a livré des restes de construction romaine en 1983. Au Moyen-Âge, vers l'an 1000, il y avait deux châteaux sur le terroir de la commune, au Castellet et à la Moute. Les deux autres, Notre-Dame, Saint-Marc, sont postérieurs. La motte castrale de la moutée est fortifiée une première fois dans la deuxième moitié du IXe siècle sur une plateforme de 450 à 500 mètres carrés. Deux bâtiments d'habitation sont construits, dont un utilisant l'antique technique du mur Ce bâtiment de 24 mètres carrés est entouré d'une galerie sur pilotis sur deux côtés, l'autre fait environ 50 mètres carrés. L'ensemble est incendié volontairement peu avant l'an 1000. Afin de remblayer à nouveau la motte pour la surélever de 2 mètres environ. La seconde construction consiste en un seul bâtiment de 54 mètres carrés, incendié vers 1010, lors d'une attaque. Le château du Castellet est construit au tri siècle. Il est occupé par une compagnie de routiers à la fin du XIVe siècle, avant d'être abandonné. Le site de la motte est intéressant, car détruit par un incendie, il a permis la découverte de restes de tous les aliments consommés à l'époque, y compris de la pâte à pain. Enfin, le site de Notre-Dame est le castrum original de saint martin de brome La seigneurie d'Allemagne appartient aux Castellanes, du XIIIe au XVe siècle, puis aux Oraisons. La seigneurie d'Allemagne entre dans les biens des Castellanes en 1218 à l'occasion du mariage d'Agnès Sarda ou Spete avec Boniface IV de Castellane. La même année, Agnès Speth accorde des franchises aux villageois. La seigneurie d'Allemagne est érigée en baronnie vers 1280. En 1305, une petite communauté juive comptant deux feux était établie à Allemagne. Le 15 janvier 1331, Boniface de Castellane, fils de Boniface, seigneur d'Allemagne et de Constance, fille d'Albert Blacassier, seigneur de Bodinard, se maria. Un petit château était construit sur un coteau au sud du village, Castelletum de Alamania. Au XIVe siècle, il tombe entre les mains de bandits, les chamisards, qui en font leur base d'opération pour rançonner le voisinage. Pour y mettre un terme, les habitants de Rillé se réunirent et chassèrent les chamisards du Châtelet, qu'ils démolirent par la suite. Un pacte de désistement du 17 juin 1417 signé par Boniface de Castellane. Seigneur d'Allemagne, précise que le seigneur du lieu abandonne ses poursuites contre la communauté de Rillé pour la démolition du Castellet. Au XVe siècle, les anciennes communautés du Castellet, distinctes d'Allemagne avant la crise du XIVe, peste noire, guerre de cent ans, est réunie à celle d'Allemagne, car trop dépeuplée. Ce fut en 1440 que, en vertu du testament de Boniface IX de Castellane, la baronnie d'Allemagne fut séparée des terres appartenant au Castellan et attribuée au fils aîné du testateur, Antoine. Le fils de ce dernier, Boniface X, lui succéda et épousa en 1472 Marguerite de Forbin. Le fils de Boniface X, François de Castellane-Allemagne, baron d'Allemagne, agrandit le château d'Allemagne, et mourut le 28 janvier 1523. Leur fils Melchior de Castellane-Allemagne, baron d'Allemagne, ne se maria pas et légua ses biens à Nicolas Mas, son neveu, à condition qu'il porte son nom et ses armes. Chef du parti protestant, il fut tué en 1560 pendant les guerres de religion, lors d'un combat sur sa terre. Il agrandit et embellit le château d'Allemagne. En août 1586, le capitaine Liger Hubert devint assiège le château d'Allemagne. Où la baronne se trouve seule avec sa garnison commandée par le seigneur d'Espinouse. Elle résiste 16 jours, donnant ainsi à son mari Nicolas Mascastellane le temps d'accourir avec l'armée protestante. Celui-ci arrive début septembre avec l'appui de Lesdiguières, entouré des hommes des seigneurs d'Oraison, de Gérante Sénat, de 28 000 tourves, de Forbin-Janson, et autres, tous ennemis de Devin. Arrivé aux environs d'Allemagne, Lesdiguières s'empare des hauteurs et de tous les passages y aboutissant et manque de peu l'encerclement des troupes ligueuses. Devin abandonne alors la tranchée qui durait depuis 16 jours et se range en bataille sur le coteau de Saint-Marc. Le combat s'engage. Le 5 septembre 1586. Le baron d'Allemagne engage l'action à la tête des volontaires. Les ligueurs réussissent à s'ouvrir un passage vers Riez où ils s'abritent. Poursuivis par les Huguenots. Un des derniers coups d'arquebuse frappe le baron d'Allemagne à la tête et le tue sur le pont de son château, 5 septembre 1586. Sa veuve, Jeanne de Grasse, préside à ses funérailles et fait exécuter sur sa tombe onze prisonniers catholiques. C'est néanmoins une importante victoire protestante, les Ligueurs perdent 900 à 1200 hommes, tués, blessés et prisonniers, et 18 drapeaux sur 22 qu'il avait. La plus grande partie des prisonniers sont égorgés à la nouvelle de la mort du baron d'Allemagne. Douze autres sont encore exécutés le lendemain sur sa tombe. Alexandre Dumas de Castellane-Allemagne, baron d'Allemagne 1583 à 1612, fils de Nicolas, avait épousé en 1610 Marthe de Raison. En 1612 Alexandre Dumas, ayant eu une querelle avec Hannibal de Forbin, seigneur de la Roque. Un duel s'ensuivit. Les deux duellistes se mirent dos à dos, se lièrent le bras et en se retournant se frappèrent mortellement. Leurs biens furent saisis par la reine régente, qui donna ceux d'Alexandre à son frère Jean-Louis qui les remit à sa nièce Gabrielle du masque ruinée la confiscation. Sans postérité de son mariage avec Antoine de Villeneuve, marquis des Arcs, elle testa en faveur de son cousin André de Raison. Marthe Doraison est la fondatrice du couvent des Capucins de Marseille, dont elle prit l'habit sans prononcer les vux à la mort de son mari. Elle se consacra ensuite au service des pauvres à l'hôtel Dieu de Paris, où elle mourut en 1637, et fut enterrée dans le cloître des Capucins Saint-Honoré. André Doraison, cousin issu de Germain de Gabriel Dumas, marquis d'Oraison, baron d'Allemagne à la mort de Gabriel Dumas de Castellane-Allemagne, épousa Gabriel de Gianni-Laroche. Ils eurent trois enfants, dont Madeleine, qui épousa en 1699 Jacques-Louis d'Ansezune. Le 24 novembre 1718, elle cède à Jean-Baptiste de Wehrigs, secrétaire du roi près la Cour des Comptes de Marseille depuis le 16 février 1712, la baronnie d'Allemagne pour la somme de 216 000 livres. Pendant la Révolution, Joseph-François de Wehrigs, baron d'Allemagne, officier du régiment d'Angoumois, aide-de-camp du général de Villeneuve, est blessé à Toulon en défendant la ville du côté royaliste en 1793, voire siège de Toulon. Puis il émigre et ses biens sont déclarés biens nationaux. Il ne rentre en France ruiné, qu'à la Restauration. Avec son fils Alexandre de Wehrichs, baron d'Allemagne 1815 à 1891, S'éteignit à Aix-en-Provence, la branche de Varage Allemagne. Il testa en faveur de Paul d'Allemagne, petit-fils du général de division Claude d'Allemagne, déjà baron d'Empire, qui de ce fait reprit les armes des Varages-Allemagne, d'azur à deux lions affrontés d'or, soutenant une étoile du même. La société patriotique de la commune y est créée pendant l'été 1792. En 1793, le château est désigné comme pouvant être détruit, mais échappe à la démolition. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'industrie de la faïence est prospère à Allemagne, et le reste jusque dans les années 1820. Son style imitait les faïences de Moustier-Sainte-Marie. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 14 habitants d'Allemagne sont traduits devant la commission mixte. La majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Allemagne se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons. Au chef-lieu. Aucune instruction n'est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851. Qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ne concerne pas Allemagne. En revanche, la première loi du RUI 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, est appliquée par la municipalité. En 1930, la coopérative construit une distillerie de plantes à parfum. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Allemagne et occupait plusieurs dizaines d'hectares. Le vin produit était destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés régionaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée.